Et salut tout le monde, c'est Yoshi Gonzalez et on se retrouve pour le quatrième épisode de Pokémon XD Pokémon Crystal et je suis en compagnie de Billy Boy. Donc la dernière fois j'avais capturé un parent qui est là sur son écran moche. Donc on s'était arrêté à la tour chez Tiflor. Il avait trouvé son Pokémon et pas moi. Donc il va y avoir une capture. Et donc on va entrer dans la partie intéressante puisque je pense qu'on va commencer à s'attaquer à la reine ou du moins au dresseur. Cette espèce de double orgasme en même temps. Bon, évidemment, Suicune ne compte pas. Hein. Y a la musique spéciale ou pas? Non. Suicune. Non. Oh, dommage. De quoi il compte pas? Bah, c'est un Pokémon légendaire. On n'avait pas dit qu'on pouvait pas capturer les légendaires. C'est marqué dans les règles. Ah. Pas de légendaire. Ah. Donc pas de Suicune. Tu vas le tuer? Bah, tu veux que je fasse quoi? Il va me rapporter de l'XP au moins. Parce que je peux pas entraîner les bouches à bite. Fuis. Oh my god. Fuyez pour vos vies. Ce truc apprend destruction au niveau 4, il me semble. Eh, tu es un truc aussi majestueux. Bonjour, je te donne de l'XP. Mais en rêve. Donc, ça ne compte pas. Oui, il ne compte pas, hein, parce que c'est un légendaire, mais... C'est triste. Deuxième Pokémon. Moi aussi, c'est un autre Pokémon. Oh, Loclas. Ouais, mais... Loclas, voilà. Saporifique. C'est cool. Ça fait un Pokémon psy, ça fait... Puis il a Hypnose. Oui, il est assez bon, Hypnomade. C'est pas parce que c'est un violeur que... Voilà. C'est pas un violeur, c'est un pédophile. On raconte qu'un jour, il aurait enlevé un enfant. Et c'est dans Pokémon Rouge-Feu. Il fallait récupérer une fille qui a été, violée par un nomade. Okay. Testons ça. La Pokéball. Oui. Okay. Prions, mes frères. J'espère que vous priez devant vos écrans. Bip bip bip. Ok. T'es résistant? Ah non, c'est parce que t'es niveau 3. Il va plus en avoir par m'endormir celui-là. Ouais, cette capture fulgurante. Oui, j'ai tué. Quand il aurait mis son. On parlait de violeur juste avant. Je vous imagine. Vous pouvez imaginer le mot que j'ai vu à la place de nez. Quand il remue son nez, il devine où sont les dormeurs et à quoi il rêve. Oh mon dieu! C'est affreux! Je regarde moi aussi, il ressemble à rien. Peggy 18. Allez. Ok, un poisson roi. Non. Ah merde, y'a pas les chiffres. Sérieusement, je sèche là. Bon, on va laisser la musique. Alors, ce pauvre fille qui viole des enfants, qui est-ce qui viole des enfants? Pédobir. Ouais, c'est pas un ours. Pédotrompe. Allez, vas-y, OGM. Oui, OGM, monte au niveau 5. Sauf que, non, après, ça marchera pas pour la suite. Donc, OGM, monte au niveau 5. Pandotrompe, parce que Hypnomade a un pendule, donc Pando. Oh. C'est sûr que ça remonte? Non. Bah, avec un P. On en fout. Voilà. Vas-y. Non, Pandotron. C'est genre Megatron, mais en mode pendule.
Ça veut plus rien dire. C'est une espèce de dérive qu'on fait. Ah, deux Pokémon, Pandotron. Youhou. Tu le gardes Pharaon en fait? Oui. Ah, que je le mette dans le fond. Quelle merveillosité. Bah aussi moi je garde OGM et Pitou hein. Que si je garde tes Yursa. Hein. Oh mon dieu. Ça, ne cherchez pas s'il y a des flashs, c'est parce que je me déplace rapidement et en fait je devrais pas. Putain, il y en a beaucoup des low class. Hein. Je vais juste faire ce Pandotron. Quel nom bizarre. Pour pouvoir l'entraîner. Non, c'est toi. C'est toi qui m'as dit Peggy 18 Pandotron. N'importe quoi. Vas-y, je m'accuse d'être bizarre lui. Donc c'était assez exceptionnel que l'épisode d'avant soit un peu plus long. Ah, et vous allez bientôt avoir la fin de Jack 3. J'espère que vous êtes prêts. Et oui, c'est déjà la fin. Ouais, OGM monte au niveau 7. Oui, pendant que t'étais pas là, ben, je fais OGM. Je gratte le plus d'XP possible. J'ai trouvé une potion. C'est bien, parce que moi, l'éditeur, il était déjà pas mal XP. Ah voilà. Je m'entraîne pour... C'est pour ça qu'il y a des soporifiques ici. Pourquoi? Parce que en fait, les soporifiques sont des violeurs car ils vivent avec eux. En plus, c'est Wayne. C'est Batman. Bah maintenant, c'est malin, je dois aller soigner mon grand parce qu'il n'y a plus de... Parce qu'il n'y a plus de... Non de... Ah quoi? Qu'est-ce que tu as fait le fouille? Oui. Mais c'est malin. Je me fais des frayeurs dans ce jeu. Un Nuzlocke, mais essayez si vous avez jamais fait de Nuzlocke. Même quand en parlant. Quand vous perdez un Rhinophéro, c'est que vous ragez, donc vous gardez. Tais-toi. Bonjour, j'ai trouvé un Pokémon. Il a un cornet, bon. Au revoir. Oh, il résiste. Moi, ça me fait quand même pas mal chier qu'ils aient que des Pokémon Spectre. Hein. Vas-y, pistolet à eau. En fait, il envoie pas de l'eau, il envoie des eaux. Mallory. Ouais, Mallory, elle est dans la place. Mais c'est bien. C'est ta vie. C'est cool. C'est ma vie. La cesse de l'ancien éclaire ton cul. Cool. T'es déjà là. J'en suis au deuxième dresseur. Oh. Comment il s'appelle? Webster. C'est un espèce de hipster mais sur internet. il écrit des poèmes. C'est ça? Oh non putain, encore un Octolie. Réveille-toi s'il te plaît. Sérieusement. Voilà. Là tu vois c'est le vrai Octolie. C'est une Octolie qui te casse les couilles et qui a rayon lune. Pendant l'autre au niveau 5. Oh. Alors là, Loupio, qu'on soit d'accord, c'est bien foutu de ma gueule. Hein. Il est resté endormi au moins 7 tours. Tu verrais le nombre de tours comme par exemple il a dormi au début de la vidéo. C'était un. Montre-moi à quel point. T'es une grosse bite. Esteban. Montre-moi à quel point tu fais confiance à tes bites. C'est Esteban. En fait, c'est une tour de moine violeur. Il a perdu Rémi. Oh. Oh, c'est Camille, poète. Avec un tir nocif. Pas content au niveau 7. Pistolet à eau. J'ai arrêté d'accélérer parce oh, que... Oh, oh, oh. Oh, attention. Il me lance grincement. Oh, c'est attaqué longue. Oh, mon dieu. Il m'a fait... Grincement, j'ai peur. Oh là là, au revoir. Genre, il grince des dents. C'est quoi le prochain Pokémon? Sheila? Noctalie. Attends. Bah, je. Non. Non, j'ai pas Switch. Niveau 14? Bah oui. C'est de l'abus. Mais en même temps, j'entraîne que lui. Ouais, il faut arrêter d'XP aussi.
petit vu qui montrait pas. Oh son là là, non, on ne dort pas. Merci. Merci. Il a pris une nouvelle attaque. Quoi? Il a pris une nouvelle attaque. Non. Esteban. Oh, c'est du foutage de gueule. Qu'est-ce qu'il envoie? Le retour de ectoplasme. Oh putain, mais il fait mal. Attends là. Vas-y, OGM, va lui régler sa... va lui péter sa gueule. J'ai aucun autre Pokémon qui peut l'attaquer. Vas-y, OGM, chiant. Tu vas tuer un Octalé. Vas-y. Un Tournegrin va tuer un Octalé. Oh, merci, oui. Dieu, Seigneur de Jésus. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, OGM. Tu peux le faire. Non, 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 non. Et hop, allez, OGM, tu as la puissance en toi. C'est le combat contre... Merde. Je voulais pas y aller. Ah, les gentillesses des Pokémon, il faut les taper, ouais. Les Pokémon, ouais, engin de guerre. OGM niveau 2. On l'appelle l'ancien, mais il est pas vieux. C'était pas une blague. Il raconte n'importe quoi. Poisson. Tu ne me ferais jamais battre par un crétin qui conseille d'être gentil avec les Pokémon. Seuls les Pokémon puissants sont importants. T'as raison. Bah, je suis oui, toujours mais... de l'avis du méchant. Xetor. Quoi? Attends, son nom aussi il est randomisé. Ah non, 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 c'est parce que c'était Cortex à l'envers. Ah oui, ouais. Tu es sans conteste, un bon dresseur. Merde. Mais non! Sérieusement? Bla 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 bla! Chut! Tu peux parler fort, mais fais pas de bruit. On l'appelle l'ancien, mais il est super nul! Il raconte n'importe quoi! Je me ferai jamais battre par un crétin qui voudrait être gentil avec les Pokémon. Seuls les Pokémon puissants sont importants. Je me compte trop des Pokémon mignons et faibles. Non mais. Voilà. Essayez de me prétendre que ces mecs ne veulent pas violer des enfants. Bienvenue à toi, mon poussin. Alors, tu peux baisser ton pantalon. La bourse Tiflor est un lieu d'entraînement où les humains et humains s'entraînent, se lient tous les jours. Et ils chantent. Je serai ton point final. Permets-moi de mettre à l'épreuve ton amitié envers tes Pokémon. Putain, je suis pas prêt! Attention, c'est Jessica le poète. Et... je vais me faire défoncer la tronche par un anus. Allez, vas-y, Poulpe! Oh, merde, j'ai plus que 6 écumes. Falcon, Poulpe! J'ai plus que 3 écumes. S'il a un ectoplasma, il va me faire chier. Oui, j'ai tendance à beaucoup accélérer, ça m'énerve. En fait, je vais arrêter d'utiliser le bouton. Niveau 15. T'es bolos. C'est cool. Mais pas trop. Combien de temps, là? 15 minutes. Allez, allez, allez. Ouais, en fait, non. Ils veulent vraiment que j'accélère. Non. Oh my god. Le dernier, il est méchant. Arrête d'avoir peur de Tyranocif, tu les one-shot. Mais là, il est niveau 10. On s'en fout. Et un Tyranocif niveau 10, ça fait plus que mal. Tempête de sable, ça va, il est con. Mais attends. Oh putain, il est plus confus. Ah oui, les capacités spéciales, ça n'existe pas, je veux dire. Sa capacité spéciale, c'est pas tempête. C'est pas. Sable volant. Et voilà, il est mort. Le putain. Ah, mais arrêtez de vous foutre de moi! Ouais, j'ai battu Jessica Poète. Ah, excellent! Spectrum. C'est bizarre, ils ont plus de feu vos rêves depuis longtemps. C'était quoi ce bruit bizarre? J'ai cru de faux rêves.
Non, le bruit du tram. Oh, fais chier. Mais oui, mais évidemment. Mais oui, trompe-toi comme une bite, espèce de bite. Oh, ça m'énerve. Comment je vais faire? Putain, je vais perdre un Pokémon là, fais chier. C'est bien, il me dirige vers le vers Luc. Quoi? Ça va, tu peux le tuer. J'espère. Je vais prier. Bah oui, il a une B. Oh, j'ai ma B. Lutte, ça marche tout le temps en deuxième? Tout ce que je sais, c'est que ça dépend de tes PV. Ah non, oui, non, il me dit que j'ai plus de capacité et après. Oui. Non, de toute façon, je suis paralysé, ça touche en deuxième. Ça se respecte trop, mais plus rapide. Oh, ouf! Là, le flash illumine les endroits les plus sombres. Flash! T'es Pokémon mérite bien. Là, il faut que je règne de mobile, donc ça sert à rien. Moi, je me barre. Avec classe. Ah, bah, ça a été chaud. Tu barres pas avec le corps de fou. C'est du gaspillage. Non, de toute façon, on a fini la vidéo. On va juste aller se soigner. On va XP un peu. Je vais XP ce porifique. Moi, je vais XP dommage, Jasmine, et puis un petit peu j'aime. Ensuite, on commencera devant l'arène. On sera prêt, normalement. Donc l'épisode 5, bah oui 5. Oui, 5. L'épisode 5 sera le début de l'intéressage. Parce que l'intéressage c'est bien quand c'est intéressant. Oui, l'épisode d'avant était vachement long, mais là on va pas répéter l'action. Bon allez, on va commencer l'arène quand même. On va pas les faire chier. Bonjour messieurs. Bah, montre-moi les épaules. Alors, moi je prends pas Albert. Ah non, on fait pas Albert, on fait le début. Les ornithologues. Joe, entrepreneur. Ah oui, c'est. Et oh, c'est une arène insecte. Chance. Insecte, c'est facile. Je vais me faire défoncer. Quoique, il n'y a pas vraiment d'attaque insecte à l'époque. Mais il y a des attaques poison, et ça fait mal. Gilles, entraîneur, envoie Paras. Ah, j'ai peur du vomi. Oui. Heureusement que j'ai un antidote, sinon ce porifique serait mort en fait. C'est la dure réalité de la vie. Oh non. Me dis pas que c'est une arène plante. Plante ou insecte là. Antidote. Merci Dieu de m'avoir donné ça. Non, ma carte de sortie, je vais la vendre. Ça me rapporte pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Ouais, oh, j'aime un grand méga sensu. On va visiter la boutique de ma ville. Oui, moi je vais m'acheter quelques potions. Ça perd l'hypopette. Je vais vendre ma carte sortie. C'est toujours ça de gagner. Parce que les sous dans un Nuzlocke, c'est important. Je vends mon précision plus. Et je vais acheter des potions. Moi j'en ai acheté 5. Sans vendre quoi que ce soit. Je vais acheter 2 Pokéballs. Pour me refaire un peu. Antipara réveil, j'en ai pas besoin. C'est vraiment l'antidote pour. Si jamais voilà. Et une potion en plus. Et on va faire le dernier dresseur et après on va se quitter. Ah ah. Ta-da-da-da-da.
Bonjour. Le mot-clé est le cran. Ce d'ici s'entraîne nuit et jour pour devenir maître des Pokémon volants. Ah oui, c'est pour ça que tu as la faiblesse des... Des Pokémon volants. Ouais. Alors, Léo, entrepreneur. Kate, c'est tous des entrepreneurs, ils déconnent Kate pas. Et... Elite Trainer. Ah, c'est un membre du conseil des 4. Attention. D'accord. Attention, un membre... Merde. Oh, bah c'est une énorme plante. Je vais galérer. Vas-y, OGM, tu peux battre cet OGM. Combat d'OGM. Mais je n'ai pas cru bon d'aller soigner mes Pokémon, bien sûr, parce que je suis très intelligent. Bon, ils vont morfler. Je peux changer. De quoi? Non. Pas plus... Ah si, je peux changer. Donc je vais renvoyer Pandotron. Je vais le reprendre et je vais renvoyer Bouchabit. Wow, c'est très pratique. Bah, il a mania, disons que ça aide. Moi, c'est un combat d'OGM. Il a choc mental, bâtard. Moi, je ferai le... Je ferai le, sûrement le concours d'insectes en off. Le Pokémon que je capture ne comptera pas, évidemment. C'est juste pour avoir une pierre soleil pour OGM. Hein, Ouais. Donc, on verra bien. Évoluer. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des pierres soleil dans ce jeu. Donc voilà. Allez, dépêche. Attends, je suis un combat d'OGM. Moi, je vais observer ce vieux avec sa trompe. Mais regardez, il a une trompe. Une trompe. Oui, par contre, on m'a fait remarquer que sur portable, la vidéo, on voyait rien à l'écran. Bah, tant pis pour vous. Non, je fais mon salaud, mais... Disons que j'aime bien mon fond et... Voilà, c'est tout. Bon, là, pour ceux qui se demandent ce que je fais, mais... Attends, mais t'attaques pas. Bah, en même temps, je fais croissance. Pour juste tuer ce macronium. Alors, dépêche-toi, sauvegarde. Et moi, je suis prêt. Voilà, ouais, une méga sangsue. Il a perdu tout ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, laisser un pouce bleu. Allez, hop. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 5. Oh là, tu as fini. Ah, d'accélérer avec le temps, là, on a fini. Donc, c'était Billy Boy. Et Yoshi Gonzalez. Salut. Salut.